n'a pas encore gagné dans cette compétition. Et North Sport qui a été diminué face avec Club avec trois joueurs qui restent encore à Mandaka, faute des billets, ils sont là à des retours. Et l'entraîneur a joué hier, nous assurer que North Sport va jouer son bateau parce que cette équipe ne peut plus espérer une place qualificative au bloc parce qu'il est déjà bon dernier au tableau de classement avec moins de points. Donc c'est un choc, mais le Dering doit déjà fêter ses armes avant de jouer l'Aspect Club dimanche prochain. L'entraîneur Loussadisou Di Prado de cette équipe de North Sport qui a bénéficié de l'apport ou qui va bénéficier de l'apport de Mahone Lebikwa. C'est le seul joueur qui s'est ajouté aux 13 déjà alignés face à la S8A Club, alors qu'on découvre rapidement la composition du Daring Club Motema Pembe avec Nathan Mabruki dans les perches. Nous allons retrouver Ndontoni Kaembe sur le flanc droit de la défense. À gauche, on va retrouver Baometo Junior dans l'axe, Lola Diakese et Avadongo, un milieu composé de Tam Laladi, Tulenge Sindani ainsi que Jikanji Doksa. Alors qu'en attaque, nous allons retrouver Vini Bongonga, nous allons également retrouver Alongo Ndombe ainsi que Mbidi Mavanga, un 11 modifié par Otis Ngoma. Le temps de laisser au repos certains titulaires pour préparer ce derby contre l'ASV Club. Et surtout Dago Tshibamba, l'homme qui joue quasiment tous les matchs avec Motema Pembe. Il faudra économiser de l'énergie avant d'affronter ses grands adversaires. Donc le Derby Club Motema Pembe a composé une équipe capable de gagner et aussi de faire mal à l'équipe. Alors que le football club North Sport a reconduit quasiment l'équipe qui avait joué contre l'ASV Club à deux joueurs près avec dans les perches Kone Levi qui a pris la place de Ngwanza Simon. Mahone Lebikwa a pris le flanc droit de la défense au lieu de place de Swane Ramin qui est monté d'un cran, alors que sur le flanc gauche de la défense nous aurons Mbumba Espoir, Kadima Blaise et Nkula Selio auront la responsabilité dans l'axe de cette équipe avec un milieu quasiment à 5 avec Fouri, Moke, Nzango, Lenga Trésor. Il y aura également, on l'a dit, Swana Ramin, Panzu Glodi et Lucea Gelor, alors qu'un seul attaquant du côté de North Sport, c'est Kibonge Figo, l'avant-centre de cette équipe qui va évoluer en 4-5-1, alors que du côté du Daring Club Motema Pembe, c'est les traditionnels 4-3-3. L'arbitre du match vient de la Ligue de football du Bandundu, c'est Moutietie Emmanuel. Dans un peu moins d'une minute, sera donné le coup d'envoi de ce match. Et c'est parti avec le Daring Club Motema Pembe, Vini Bongonga qui joue derrière. Le ballon pour Ndotoni, Vini Bongonga, Mbili Mavangu, Lola Diakese qui trouve à gauche Baometo Junior. Ah, il s'habitue de plus en plus de ses postes de latéral gauche, lui qui tout le temps évolue comme latéral droit, que ce soit du côté de Saint-Eloi-le-Popo encore de la S8A Club. Aujourd'hui, Otis Ngoma a choisi de replacer Lola Diakese qui joue un temps côté gauche. C'est Lola Diakese qui va être latéral droit et c'est Baometo encore une fois de plus qui va assumer l'intérim du côté gauche qui est déficitaire de Ngimbi encore et à santé. Donc c'est une équipe de DSMP qui a peut-être qui va nous montrer déjà les envies de gagner non seulement aujourd'hui mais contre aussi l'ASV Club. Donc c'est un milieu quasiment à 5. Envoyé Zito Tamla Ladji, envoyé Jikanji, Mbidi Mavon encore, Trigik Duengeo encore, Servi Alonga qui seront des milieux excentrés. Donc c'est un milieu quasiment à 5. Il y aura plus de densité cherchée en profondeur Vini Bongonga qui est aussi bon de la tête, il faut le dire. Le premier ballon touché par Kondé Lévy. Rapidement pour Nkula Selio. Dégagement, mais le ballon récupéré par Alongo Ndombe. Di Robben et qui joue derrière avec son porté Nathan Mabruki. Donc Kadi Kandji. Alongo, Doksa, les Inde sollicités par l'international congolais, vainqueur du Chan, Rwanda 2016, à la louche de Tulenge Sindani en direction de Vini Bongonga qui malheureusement sera trop court sur cette action et la défense de North Sport qui
peut sortir avec ces Lyon Fou là qui perd le ballon à Longo. La chipé, il a directement envoyé à Vini Bongonga. Malheureusement, il était court sur cette action. Il aurait pu anticiper dans les jeux, mais malheureusement, il est resté trop attentif. Et conséquence, il a perdu ce ballon. C'est le défenseur qui a pu anticiper à la place de Vini Bongonga, qui revient tout petit peu parce que Serpiel Alongo n'avait pas d'autre solution que de combiner avec Vini qui était en profondeur. Donc, ça part ici. Il faut bien se communiquer dans cette dernière formation du terrain. Hors jeu de Vini Bongonga, signalé par le premier arbitre des lignes, Ipan Piston. Allez, trio arbitral de ce match. Bien de la Ligue de football de Bandundu. C'est quasiment le premier match de ce trio arbitral avec Moutiété Emmanuel comme arbitre. Premier arbitre des lignes, Ipan Pisson. Et le deuxième, Mbouyi Munganga. Lui était déjà là lors du match avec le club Northport. Alors que y a cette faute peu évidente. Et Mbidi Mavuanga, c'est plutôt Kadima Blaise qui a trop tergiversé avec le ballon. Il n'a pas su le lâcher au moment opportun. C'est qui a profité à Mbidi, qui, à mon avis, n'a pas commis de faute. Mais l'arbitre a estimé qu'il y avait une charge irrégulière. Il n'y avait pas faute quasiment. Kadima avait deux solutions, soit mettre la balle en touche, soit remettre au gardien de but. Mais il a tergiversé, il a voulu dribbler et Bidi Mavuanga lui a empêché. Il n'y avait pas faute. L'arbitre a mal jugé l'action. Donc ça montre déjà qu'on s'est décimpé. Ils essaient de se trouver dans des petits espaces, mais côté Northport, c'est un va-tout. Et donc on n'a plus rien à gagner ni rien à perdre dans cette compétition. Cinquième minute de jeu, toujours 0-0 ici au stade Tata Raphaël entre les dents. Le Motema Pembe et Northport, et Motema Pembe qui a du mal à imposer un rythme dans ces matchs. La possession certes est au bénéfice des verts et blancs, mais pour l'instant il ne trouve pas encore des failles. La montée des Baumetto Junior qui rapidement va perdre le ballon au profit des Mahone et les Bicois. C'est le seul joueur des champs qui est monté parce qu'il y a Mamale qui est suspendu du côté de cette équipe de Northport de Matadi. Il a totalisé deux cartons jaunes. Mbangilelo Mamale. Et le coach a préféré Mahone et les Bicois à ce poste de latéral droit et a fait monter d'un cran Swana Ramine. Swana justement qui perd le contrôle de ses ballons derrière pour Célio Nkula. Les ballons à nouveau pour Swana Ramine. Swana prise avec Lola Diakese qui s'en sort. Mbidi Mavuanga qui trouve en profondeur Vini Bongonga. Vini le centre raté de Vini Bongonga qui ne va rien produire. Et la relance des bleus blancs de Matadi. Ah, pour le gardien Nathan Mambou. Beaucoup de déchets techniques du côté de Northport. Mais pour l'instant, l'équipe résiste encore à toutes les velléités offensives du Darin Club Motema Pembe. 5 minutes, ça résiste à côté Northport. C'est un 5-4-1, il faut les rappeler. C'est un système plutôt 1-4-5-1. Un système avec beaucoup de milieux du terrain. La preuve en est, l'entraîneur de Northport a mis des latéraux. C'est le couloir qui est en train de surveiller le mouvement des récupérés. Mais à l'instant, Ricky n'est pas bloqué dans son couloir. Ricky est en train de faire des tournements au milieu. À surveiller les mouvements de Ricky Toulengue. Il faut s'appliquer donc du côté Northport avec quelques occasions qu'ils auront, car aujourd'hui il y aura peu d'occasions côté Northport. Ils sont plus à la défensive qu'à l'offensive. Une équipe de Northport pas du tout mauvaise face à la S Vita Club, même si l'équipe a sombré en toute fin de match avec ses trios, plutôt ses triplés signés Jean-Marc Makusu Mundele pour la Manita. On doit rappeler que cette équipe avait résisté face à l'AS Vita Club, menée 2-0 à la pause. L'équipe a dû résister dans les 6 dernières minutes. Et ce nouvel entrant, Jean-Marc Makusu, qui avait donc signé un hat-trick dans ce match. Mais dans l'ensemble, l'équipe n'avait pas démérité. C'est peut-être la fatigue, ce que le coach
avait laissé entendre après ce match-là que son équipe n'était arrivée à Kinshasa qu'aux petites heures du matin. Les joueurs n'avaient pas eu suffisamment le temps de récupérer. C'est ce qui avait préjudicié cette équipe qui avait finalement coulé devant la SV Club 5-0. Et aujourd'hui, la même équipe, certes, ne produit pas encore du beau jeu, mais essaie de résister à cette équipe d'un club Motema Pembe. Kaye Mendontoni pour Doxa Dikandji. Doxa, ballon pour Alongo Ndombe. Derrière pour Lola Diaké, c'est le centre de Lola qui ne va rien produire. Ça sera donc une touche pour cette équipe du club Nord Sport, rapidement joué et perdu. Et ballon pour Kaye Mendontoni, défenseur central du Dahin Club Motema Pembe, qui fait lui aussi son grand retour. Il était absent lors du dernier match du Dahin Club Motema Pembe contre le Racing Club de Kinshasa, où on avait un axe composé de Davadongo et Vangu. Et aujourd'hui, Kaye Mendontoni fait son grand retour dans cet effectif et dans ses 11 de départ de Otis Ngo Makondi. Oui, Kaye Mendontoni qui jouait déjà avec Avadongo depuis la saison dernière. Ils ont joué ensemble à début de saison, mais Otis Ngo a donné un peu plus de temps déjà avant de se jouer. Aujourd'hui, c'est en retour. C'est l'occasion pour lui de faire encore un grand match pour espérer jouer encore face avec le club de dimanche prochain. La faute de Tam Laladi, alors qu'il y a un joueur qui reste au sol, c'est Kibonge Figo, avant-centre de cette équipe de Nord Sport. Ah, il peut se redresser et se relever. C'est une bonne chose pour cette équipe qui n'a qu'un seul remplaçant sur le banc, outre les gardiens des buts. Cette équipe de Nord Sport n'a que Bompengola Makese comme arbitre, plutôt comme joueur des champs sur le banc, et les portiers Ngwanza Simon, l'autre contingent de cette équipe, traîne toujours du côté de Mbandaka, où l'équipe avait livré un match contre le tout-puissant Molungé. Depuis lors, l'équipe n'a toujours pas rallié son quartier général. Et aujourd'hui, c'est donc cette équipe qui était restée à Matadi, qui a joué contre avec le club, qui est alignée. Moulungé Sindani derrière pour Tam Laladi, qui essaie de renverser les jeux en direction de Lola Diakese. Mais les bons jaillissements avec cette contre-attaque de Fourimoke, aux prises avec Tam Laladi, les passements des jambes. À la bonne passe en profondeur, la déviation, peut-être la frappe à suivre. Ah, il a préféré le centre, elle a été prise. Ah, cette fois-là, c'est complètement raté. C'était une opportunité pour cette équipe de Nord Sport. La frappe, elle est dévissée. À la première chaude alerte dans la défense du Dahin Club Motema Pembe. Cette équipe de Nord Sport, malheureusement, on a pêché dans les derniers gestes. On avait une opportunité peut-être d'inquiéter les portiers Nathan Mabrouki. Mais malheureusement, c'était sans compter sur cette défense qui veillait au grain et qui a pu empêcher aux attaquants de Nord Sport d'exploiter à bon escient cette action. L'action a été bien menée, une récupération, et on a aussi trouvé Fouri qui a fait un appel de balle côté droit, et c'est dans les derniers gestes que Nord Sport a loupé cette occasion. Donc il faut faire douter cette équipe de Motema Pembe, il ne faut pas rester collé derrière, il faut les faire douter, les pousser aussi à défendre. Donc ils n'ont qu'un seul changement sur les bancs. Est-ce qu'à force de défendre, est-ce qu'en seconde période, ils auront cette fraîcheur physique pour maintenir la densité du milieu du terrain? Je pense que non. Donc il faut jouer et faire douter des rincles Motema Pembe. 12e minute et toujours ce score de 0-0 ici entre ces deux équipes. C'est un match des extrêmes, on l'a dit, entre les leaders et la lanterne rouge, alors que le coup franc est mal exploité par Nkula Selio. L'intention était de trouver Fourimoke Nzangul. Il n'a pas su ajuster sa passe. Et les ballons pour Mwanga, à hors-jeu signalé de Bongonga Vini. Il retrouve son compère
Ricky Toulenge Sindani. Les deux avaient évolué du côté de Football Club Arc-en-Ciel à l'Epeskine. C'était donc cette paire qui avait permis à cette équipe d'Arc-en-Ciel de remporter les championnats à l'entente de football de Kinshasa. Et aujourd'hui, ils font la pluie et les beaux sons de cette équipe du Daring Club Motema Pembe. La touche rapidement jouée et le ballon contrôlé par le deuxième capitaine du Daring Club Motema Pembe, Doxa Dikandi Alongo Ndombe. Doxa, l'extérieur de Doxa pour Alongo. Alongo Ndombe, Robin pour Mbidi Mavuanga. Il se met les pinceaux sur cette action. Il se demande ce qu'il a voulu faire avec le ballon. Il rate complètement son geste. Heureusement pour lui qu'il y a Doxa Dikandi qui récupère le ballon. Ah, il a bas un travail des fourmis. Ces milieux de terrain défensif du Daring Club Motema Pembe avec la présence de Tam Galadi. Il est obligé de monter d'un cran et de jouer comme milieu offensif, alors qu'il est aussi capable d'évoluer comme milieu défensif. C'est donc le Dikandi. Exactement, ils sont à deux récupérateurs. Il faut que l'un puisse assurer les premières relances et l'autre puisse donner un peu de la profondeur devant. Donc c'est ce qu'essaye de faire Aladji, Doxa Dikandi. Donc il y a Tam Aladji qui peut rester, il y a Doxa Dikandi qui peut plonger devant. Donc ils ont quasiment des milieux créateurs, des milieux offensifs avec Iriki Mbidi Mavuanga qui peut trouver servir à long ou encore Vini Bongoma en profondeur. Donc il faut que Tam Aladji, Dikandi sépare, se communique tout le temps au milieu du terrain. Il ne faut pas que les deux restent derrière parce qu'il a leur sport et à la défensive. C'est inutile de rester à des récupérateurs derrière. On a atteint le quart des jeux de ce match. On joue la 15e minute et toujours 0-0 entre le Daring Club Motema Pembe et le FC North Sport avec Tam Aladji. Tam Aladji pour Toulenge Sindani qui décroche beaucoup dans ce match. Tam Aladji qui n'aura pas le contrôle du ballon. Ricky Toulenge Sindani. La passe pour Alongo Ndombe. L'ouverture du score d'Alongo Ndombe à la 15e minute. Il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Très très bonne lecture de Ricky Toulenge Sindani qui a vu son coéquipier libre de tout marquage. Alors qu'on revoit encore cette belle passe de Ricky Toulenge Sindani qui a trouvé en profondeur Alongo Ndombe. Robin parti à la limite du hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu sur cette action, même si les amis de North Sport continuent à réclamer. Mais l'action était plus que légale et l'ouverture du score est méritée pour le Daring Club Motema Pembe qui a mis les pieds sur le ballon, qui dominait les débats depuis le coup d'envoi du match, mais qui avait du mal à trouver la faille. Mais c'est finalement Alongo Ndombe, dit Robin, qui trouve la faille alors qu'on revoit encore ces jolis mouvements et ces piqués quasiment de Chabi Alongo Ndombe, dit Robin, qui trouve la faille et permet à l'équipe de Daring Club Motema Pembe de mener 1-0 pour l'instant. Un but mérité pour les hommes d'Otis Ngoma qui dominaient les débats depuis le coup d'envoi de ces matchs. Mérité côté de Daring Club Motema Pembe parce que c'est les Daring Club Motema Pembe qui essayaient de donner les initiatives. Donc ça a payé en profondeur. L'action est très vite passée. La défense a été vraiment apathique. Les latérales gauche, Mbumba Espoir, a réveillé des verbes plutôt surveiller le mouvement d'Alongo. Lui, c'était arrivé ce match sur les contrôles de Ricky Toulenge qui a fixé l'axe de Kadima et encore l'autre là, Nkoulou, c'est Lio. Donc c'est 1-0, un but mérité après un quart de jeu. Et la réponse peut-être sur cette action et les ballons qui est allé vers la main de Kaembe Ndontoni. L'arbitre n'a pas sifflé alors que Mumba Espoir, à cette fois-là, ça ne va pas échapper à l'arbitre. C'est contrôle de la main de Doxa Dikandi. C'est contrôlé loin de la cage gardée par Nathan Mabouki. Et l'arbitre qui n'a pas hésité à les mauvais dégagements, qui a failli profiter
au bleu et blanc. Alors Mahone, le centre de Mahone et Kaimendontoni qui s'applique et dégage le ballon. Alors que Ricky Sindani, avec mille et une difficultés, parvient à conserver ce ballon. Alongo. Mbidi. Alors qu'il y avait un joli appel, que Mbidi n'a pas profité, il est hors jeu. À cette fois-là, il est signalé hors jeu. Il est réel de Doxa Dikandji. Mbidi Mavouang devait donner plutôt à Serbie Alongo, qui a fait un appel derrière l'axe central de Nord Sport. Il a préféré plutôt à l'intérieur. Malheureusement, la défense était bien alignée. Ils se sont repris et Doxa Dikandji était déjà hors jeu. Premier carton jaune de ce match pour Trésor Lenga, le capitaine de Nord Sport. Alors que Lola Diakese a ceinturé son vis-à-vis Panzou Glody, ce qui va donner un coup franc lointain à cette équipe de Nord Sport, menée dès la 15e minute de jeu par le dernier club Motema Pembe sur ses buts. Magistral alors à l'écofond de Swana Ramin, qui ne va rien donner, qui ne va même pas inquiéter les portiers Nathan Mabrouk. En deux temps de la relance, j'ai un gardien du dernier club Motema Pembe sollicité à nouveau par Kaembe Ndontoni, le long dégagement et la tête d'un Kouloasselio. Et Tam Laladi qui surgit, récupère les ballons rapidement, perdu par son capitaine Ricky Tulenge Sindani. Ah, hein, Ricky toujours en petite forme. Il est vrai qu'il participe au jeu, mais ce n'est pas encore le grand Ricky de la saison dernière. Élu meilleur joueur de la 22e édition de la Ligue nationale de football, c'est ce Ricky-là qu'on devra voir le dimanche face à l'AS Vita Club, avec une équipe d'évêques clubs qui viendra pour rendre la monnaie de la pièce à au dernier club Motema Pembe, qui avait battu 1-0. Ce but de Kazadi Kasengou, absent aujourd'hui, est préservé certainement pour ces grands derbys de la capitale. Kazadi qui avait crucifié son ancien club, l'ASP Club. Et il est mis au repos aujourd'hui. Question d'économiser l'énergie pour les matchs de dimanche, car on sait qu'avec la présence de Kazadi, c'est une autre équipe de Derrick Motema Pembe. Ricky Tulenge a une autre charge encore en lui. Si la saison passée, il n'était pas capitaine, cette année, c'est le capitaine de l'équipe. Donc il doit se montrer présent dans tous les matchs. Il doit chercher à jouer simple. C'est le football. S'il faut jouer une touche de balle, il faut le faire. S'il faut jouer de la profondeur, il faut le faire. Donner un peu plus de la vitesse, parce que c'est lui l'animateur des jeux du côté d'Eric Motema Pembe. Ah, nous allons faire les petits jeux tout à l'heure pour voir combien de joueurs qui jouent le premier rôle dans cette équipe d'Eric Motema Pembe ont été laissés sur les bancs par Otis Ngoma Kondi. Et ce, en partant du dernier match joué ici par le Dernier Club Motema Pembe contre le Racing Club de Kinshasa. Il y a Nathan Mabrouk qui est là. Moukoko Amalé est absent. Vangou est également absent. Assoumani Rachidi. Il y a Kazadi Kasengou. Il y a Chibamba Dago. Ça fait au total 5 titulaires alors à part entière du Dernier Club Motema Pembe, préservé pour le match des dimanches contre l'AS Vita Club. Un club qui s'est contenté de quelques matchs nuls du côté de Kimbondo, du côté de son centre de préparation et d'entraînement. Alors que le dernier club Motema Pembe a l'opportunité de jouer quand même un match officiel. Et le match du jour qui l'oppose à cette équipe de Nord Sport. Et pour l'instant, ce sont les hommes d'Otis Ngoma qui font la course devant grâce à Longo Ndombe depuis la 15e minute, alors qu'on joue la 22e minute et toujours ce score d'un but à zéro. Le dernier club Motema Pembe qui gère cette avance, il devra lui permettre de glaner 3 précieux points et décompter avant, au coup d'envoi du derby, 4 points de plus que son poursuivant direct, l'AS Vita Club. C'est normal quand vous avez un derby à jouer dans 5 jours.
des clubs qui avaient joué samedi aura plus ou moins 7 ou 8 jours de repos par rapport au dernier club Motema Pembe. Quoi de plus normal de préserver quelques titulaires à titre de cette formation de Motema Pembe, 5 au total, Kazadi Chibamba, encore Moukou Kouamale, surtout Assoumani, c'est garçon qui est venu FC Renaissance, qui a commencé timidement, il est en train de s'imposer dans les trios du milieu du FC Renaissance, que ce soit avec Zito, que ce soit avec Dursa, Assoumani est toujours présent, donc ce n'est que normal de préserver quelques pions lorsqu'on joue contre une équipe supposée faible, dernière du championnat, et malgré qu'il y a une revanche à prendre face à North Sport qui avait tenu en échec les derniers clés montés maintenant un but partout à l'aller. Ah, North Sport qui n'a pas démérité, on l'a dit, face à l'AS Vita Club. Et même cet après-midi, l'équipe essaie avec le moyen du bord de résister à cet ogre du football de la capitale. Le dernier club Motema Pembe avec son capitaine Eriki Tulenge Sindani. Il sera très attendu le dimanche prochain jusqu'à l'heure où nous parlons.